Voilà, donc Estelle Chargé, je suis donc en thèse aux universités Cacité à Naël, et merci à Naël de m'avoir invitée. Donc sous la direction, pour les citer quand même, de Christian Gensbeitel et Eki Trikas, qui ont leur part de responsabilité dans ce travail aussi. Donc ce que je vais vous présenter, finalement, c'est aussi une étude qui est en cours, donc c'est ma thèse, j'entame la deuxième année. Et donc je vais vous présenter quelques éléments de réponse, mais surtout aussi de nombreux questionnements qui sont soulevés par les bâtiments religieux qu'on trouve ici en Charente, ce qui est assez bon signe sur l'importance qu'on peut donner aussi à ces bâtiments de l'ancien diocèse d'Angoulême. Donc ma thèse porte sur la composition du décor roman et j'accorde une importance toute particulière à l'ornementation. Alors qu'est-ce que l'ornementation? On en a quelques exemples ici. C'est tout ce qui va correspondre aux éléments de décor géométriques, les végétaux, les figures et tout ce qui va se trouver en dehors des grandes scènes historiées finalement, tout ce qui ne fait pas partie de ces grandes scènes qui ont été beaucoup étudiées. Alors pourquoi cet intérêt? Je m'intéresse donc à la fonction de l'ornementation, qui est un élément structurateur de l'espace monumental, qui aide à diriger le regard dans le bâtiment, autant pour le laïc que pour le clerc, qui nous guide. Aussi parce que dans l'ornementation, donc toute cette géométrie, tous ces éléments végétaux, on va trouver des éléments récurrents qui peuvent mener, je l'espère à la fin de cette thèse, à des éléments de datation également pour le décor des bâtiments. Et je m'attache aussi à mettre en lien tous ces éléments ornementaux avec toutes les scènes historiées qui, elles, ont déjà été beaucoup étudiées. Alors, donc voilà pourquoi je dis un intérêt particulier pour l'ornementation. C'est parce que tout ce décor géométrique végétal a été mis de côté dans les études d'histoire de l'art. On avait un intérêt pour ces grandes scènes historiées parce qu'on pouvait les mettre en relation avec des passages bibliques. C'était le moment d'interpréter des grands messages, de les mettre en relation avec les textes. C'était aussi une période, beaucoup les années 70-80, où on s'est beaucoup intéressé à la symbolique de toutes ces figures et de tous ces personnages. Donc, dans l'étude des décors monumentaux, finalement, on a toujours mis en avant l'aspect religieux, ce qui semble absolument logique pour un bâtiment religieux, mais tout ce qui fait partie du décor monumental, n'entre pas dans ce cadre. Donc, tout ce qui va être géométrique, végétal, ces figures, qui vont être parfois des animaux débonnaires, c'est-à-dire des animaux qui ne correspondent pas à la mythologie, qui ne sont pas symboliques, mais qui représentent des animaux du quotidien pour l'homme médiéval à ce moment-là, elles entrent dans une culture visuelle laïque, païenne, donc quotidienne, et qu'on rattache à toute cette culture-là d'une communauté laïque plus que religieuse. Donc c'est une autre approche du bâtiment que je vous avais mis ici. Alors, dans cette étude, j'essaie d'apporter aussi une nouvelle méthode pour étudier toute cette composition du décor, qui est donc un ensemble monumental de décors, c'est le cas de le dire, beaucoup, beaucoup d'éléments à étudier ensemble. Premièrement, je vais m'intéresser aux restaurations. C'est une tâche très fastidieuse parce que il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas indiquées ni dans les rapports des monuments historiques depuis la moitié du XIXe siècle et encore moins forcément dans les archives antérieures. On ne dit pas ce qui est changé ou ce qui ne l'est pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à beaucoup de bâtiments qui sont annoncés comme des bâtiments romans, qui le sont en plan et en élévation en partie, mais pour lesquels le décor peut relever, quand on y prête beaucoup d'attention, surtout d'une sculpture néo-romane, une sculpture 19e qui est très bien faite. Ce sont des sculpteurs qui ont très bien compris les codes de la sculpture romane, on pourrait presque appeler ces productions des faux, tellement ils sont bien étudiés. Mais donc moi, pour étudier un ensemble cohérent d'œuvres romanes, je porte un point d'honneur à donc déterminer ces restaurations au maximum par tous les moyens. Et seconde chose, c'est que je vais travailler sur la spatialité. Donc pour déterminer d'abord ces restaurations, on travaille donc directement sur le bâtiment, on en fait le tour, on mesure les pierres, on calibre, et le petit instrument que vous avez là à droite, ici,
un peu barbare là comme ça. C'est un instrument qui prend des mesures dans l'espace et qui va me permettre après de repositionner tous les éléments de sculpture que j'observe sur, second élément un petit peu barbare, une base de données spatialisée. Donc une fois que j'ai fait tous ces relevés sur les bâtiments, je les repositionne dans ce plan. Voilà, donc ça c'est le plan du bâtiment ici à Saint-Amand, le plan actuel. Et donc tous les éléments de décor sont positionnés dans le bâtiment et caractérisés dans un énorme tableur qui enregistre tous les éléments, point par point, des éléments de décor. Donc, dans le but, tout simplement, de pouvoir restructurer l'ensemble ornemental et de pouvoir déterminer des ensembles, des groupes, des mains, des périodes, des ateliers. Donc, le but, c'est une étude du décor dans son intégralité, qui inclut à la fois les petites formes, l'ornementation, ce qui n'était pas fait avant, et la notion de spatialité, donc d'organisation dans l'espace, afin d'avoir une étude complète et contextualisée. Alors, pour mener justement cette étude un petit peu expérimentale, j'ai choisi un territoire où tout reste à faire, comme l'a dit Annaëlle, la Charente, et donc plus précisément l'ancien diocèse d'Angoulême. Donc, on a cité les universités qui sont assez éloignées de cet espace et qui donc n'ont pas porté à une étude récente de l'ancien diocèse. Mais il y a aussi ce qui est intéressant quand on observe la petite carte à droite. Vous voyez que tout cet espace est resté apparemment, pour l'instant, c'est ce qu'on en dit, en dehors des routes de pèlerinage. Donc comme on a été beaucoup porté sur l'étude des grandes structures de pèlerinage, on avait un peu laissé l'ancien diocèse d'Angoulême de côté. Donc là, c'est un territoire pour moi absolument idéal pour mettre en œuvre cette nouvelle méthodologie. Donc ici, il y a 8 sites sur la carte qui sont mis en valeur par ces petits triangles rouges. Donc ce sont les 8 sites que j'ai choisi de privilégier dans ma thèse. Donc je vous invite à les visiter si vous ne l'avez pas fait. Donc Saint-Amand, forcément, la cathédrale d'Angoulême, aussi Saint-Denis de Lichère, Saint-Nicolas de Selfouin, Sainte-Eulalie de Champigny, Saint-Pierre de Châteauneuf-sur-Charente, forcément, et la collégiale Saint-Artémie, qui est très charmante, plus au sud, et son abbatiale de Saint-Gilles de Puy-Pérou. Voici les sites que j'ai sélectionnés. Mais alors, Saint-Amand est forcément un site absolument exceptionnel, et pour plusieurs raisons. Donc d'abord, comme on vient beaucoup d'en parler, un site exceptionnel par sa fondation historique, une fondation singulière puisqu'elle est comtale et en concomitance avec la construction du château de Montignac à côté donc, de Saint-Amand. On déplace le castrum d'Andomme et la chapelle de la Macarine qui était un peu plus éloignée d'ici. Les comtes arrivent à Montignac, proche de Saint-Amand, et la fondation de Saint-Amand se développe à ce moment-là. Donc on a tout un ensemble seigneurial qui est très intéressant et parfois on cherche des preuves de l'appui du pouvoir temporel, du pouvoir seigneurial sur le pouvoir spirituel, c'est-à-dire l'Église. Donc là ici on en a une preuve toute faite. On organise ces deux institutions dans un même bloc, ensemble, au même moment. Donc une fondation particulière. Aussi parce que Saint-Amand a quand même des dimensions qui sont exceptionnelles. Monumental, c'est encore une fois le cas de le dire, surtout donc en comparaison de cette chapelle de la Macarine qui est le lieu le plus probable pour la première implantation de la communauté qui est arrivée après à Saint-Amand, qui était un tout petit édifice. Ici, on a le plan de l'abbatiale romane qui a des dimensions beaucoup plus importantes. Notamment, ce qu'on peut noter, c'est un développement très important de la nef. Et donc, si on développe une nef, c'est parce qu'on souhaite accueillir des laïcs. Donc, c'est un point important à noter en comparaison de la Macarine. On a aussi une hauteur sous voûte, on peut le noter, qui n'est pas ridicule pour la Charente. On est entre 13 et 14 mètres. À la période romane, c'est quand même pas mal. Et on développe aussi, de manière très importante, le transept, qui est très large. On a des bras qui sont très débordants. Le chevet, les absidioles sur le transept, un passage qui va du transept au chevet. Donc on a un plan roman de grande dimension et donc de grande ambition pour un édifice qui est dit rural, mais qui donc nécessairement est relié aussi au seigneur à côté. On va aussi trouver
et moi, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui plus particulièrement, une profusion ornementale, notamment là je vous ai mis à l'extérieur l'exemple du transept nord et celui de la façade, qui sont vraiment d'une densité particulièrement remarquable. On peut imaginer un bâtiment roman de la dimension de ce qu'on a à peu près aujourd'hui, couvert d'une sculpture qui correspond à ce qu'on observe ici sur le transept nord. Si on envisage tout un projet qui est cette sculpture, on arrive sur un bâtiment tout à fait impressionnant à observer de l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est plus morcelé, ça a été modifié, mais ça reste une ambition ornementale qui laisse une grande impression et qui montre aussi cette volonté de donner des signes extérieurs de richesse, de statut, et de donc le démontrer par une mise en œuvre dans la sculpture sur pierre, notamment pour ce qu'on peut observer aujourd'hui. Alors, Saint-Amand, en plus d'avoir cette particularité de profusion ornementale, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on observe, et pour vous aussi, j'en ai aucun doute, c'est qu'on observe une multiplicité de styles représentés dans la sculpture du bâtiment. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que là, par exemple, je vous ai mis les trois phases, à peu près, de bâti qui sont déterminées pour ce bâtiment, c'est-à-dire que là, du plus clair au plus foncé, vous avez un développement chronologique sur le XIIe siècle, et donc ce sont des ensembles d'élévations qui sont tous datés de la même période par carré. Mais quand j'analyse la sculpture, je vois autre chose. Je vois au moins cinq phases de sculpture, de développement du second œuvre, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, dans cette abbaye qui n'est pas nécessairement en correspondance avec les phases de bâti. Donc ça amène pas mal de questionnements, et en plus on va pouvoir voir que chaque partie que je définis ici, chaque encadré rouge, se rattache à une période différente, mais aussi à un espace différent dans le paysage charentais roman. Donc on va pouvoir voir qu'on va raccrocher l'abbatiale de Saint-Amand à différents sites. Donc moi, c'est ce que je vous propose de faire. On va un peu faire le tour du bâtiment et voir ce qu'on peut observer par partie. Donc on peut commencer par le transept nord, qui est donc la partie la plus ancienne et que nécessairement on met en rapport direct avec la cathédrale d'Angoulême, et c'est tout à fait normal. Parce que, comme on peut l'observer ici, on a une structuration du bâtiment par le décor qui est tout à fait similaire d'un bâtiment à l'autre. C'est-à-dire qu'on trouve ces grandes arcatures aveugles ici, avec la mise en valeur de grands tympans historiés, un développement des voussures qui est très important. On a une sculpture en intrado, c'est-à-dire en intérieur de l'arc et en extérieur également, qu'on retrouve aussi sur Angoulême. On a une liaison des arcades, une liaison de l'ensemble qui se fait par la sculpture aussi. Ça, on peut l'observer sur les deux, on le voit bien sur la diapo suivante. C'est ici, là, vous voyez d'ailleurs l'intrados de l'arc qui est sculpté, comme on le trouve ici aussi. Et sur les deux espaces, voilà, on trouve la même mise en œuvre et on lie les arcades entre elles par un système ornemental qui donne cette sensation de profusion, mais aussi de continuité, qui donne du sens à l'ensemble. Donc pour avoir aussi cette sensation d'importance, de richesse dans la sculpture, on fait intervenir un petit peu ce système d'entremêlement des figures, où on va trouver du géométrique entremêlé au végétal, entremêlé dans une figure de lion. Donc on a quelque chose de très dense qui donne ce sentiment de richesse. Et ça, on le retrouve à la fois à Angoulême et à la fois à Saint-Amand. On a aussi la même volonté de mise en valeur de grandes figures qui va fonctionner de la même manière. Donc on a vu pour les tympans qui sont là en plus en contraste, on a un fond lisse sur les tympans alors que le reste de la structure est complètement envahi par du végétal. Donc on met bien en valeur ces figures dans les tympans. Et alors pour la cathédrale d'Angoulême, c'est second, troisième, quatrième et cinquième registre de l'élévation. À Saint-Amand, c'est le second registre d'élévation,
où on met en valeur comme ça ces grandes figures qui sont sculptées sur de grands panneaux monolithes qui sont insérés dans l'œuvre, et on trouve la même méthode à Saint-Amand qui sont développées dans des grandes arcades aveugles, voilà, qui ne sont pas sculptées de la même manière, pas décorées exactement de la même manière, mais c'est la même recherche, la même mise en œuvre, quelque part la même ambition et donc un projet similaire. En plus, on a aussi des thématiques qui sont similaires entre les deux édifices, puisque d'un côté comme de l'autre, on cherche à développer des grandes figures ecclésiastiques, des grandes figures bibliques. Donc là, ici, par exemple, on a uniquement Saint-Amand sous les yeux, mais là, à droite, on voit la crosse de l'évêque. Donc on a un évêque ici, on a ces grandes auréoles donc, qui nous montrent que nous avons des personnes saintes. Ici, on reconnaît toujours la figure de Saint-Pierre qu'on apprécie à Saint-Amand. Ici, le tétramorphe avec l'agneau christique. Alors, je ne sais pas si vous êtes des familiers du tétramorphe, mais c'est une manière un peu dure de dire la représentation des évangélistes par leur animal symbolique. Chaque évangéliste a un animal qui le représente. Donc là, par exemple, ici, si on fait le tour, et j'espère ne pas me tromper puisque l'image est un peu petite, mais il me semble que nous avons le lion de Saint-Marc, le lion ailé, l'homme ailé de Saint-Matthieu, l'aigle de Saint-Jean et le taureau de Saint-Luc. J'en aurais peut-être inversé un et j'en serais désolée. Et au centre, nous avons l'agneau christique, donc avec son âme crucifère. Donc on est dans cette même thématique à Angoulême et à Saint-Amand de rechercher à mettre en valeur ces grandes thématiques bibliques. Et pour ajouter encore un point supplémentaire à cet argumentaire de mise en comparaison des deux, on va s'intéresser à cette petite frise qui ne se trouve pas exactement sur le transept, mais sur la partie à l'extrême est de du côté nord de la nef, qui est très arasée aujourd'hui à Saint-Amand, et peut-être qu'il faudra me croire un peu sur parole pour la détailler. Et donc on trouve une frise de scène de chasse, qu'on retrouve quasiment à l'identique en disposition et en thématique à la cathédrale d'Angoulême. Puisque ici, on trouve, alors on va essayer de la détailler, un cheval, vous voyez à peu près, je pense, ça fonctionne. Ici, on a deux canidés, donc celui de gauche qui se tourne vers la droite, celui de droite qui se tourne vers la gauche, qui sont en train d'enserrer une figure de cervidé. Ça fonctionne assez bien sur un fond de forêt. C'est un cerf. Le cervidé est un cerf. Et donc, à Angoulême, on va retrouver à peu près la même chose. Un cavalier. Alors, c'est pas un cheval, là, c'est un cavalier. Donc, il est accompagné. Et donc, on le trouve sur la droite. On a voilà, une multitude de chiens de chasse qui sont en train d'enserrer un cervidé. Donc, même composition. Des espaces différents, cependant, c'est ça aussi qui est intéressant à Saint-Amand, puisque c'est la nef, l'extrême est de la nef côté nord, n'est pas un emplacement qu'on peut considérer comme classique pour installer une scène aussi importante, mais c'est un choix qui a été fait à Saint-Amand. Ici, la scène à Angoulême se trouve sur la façade occidentale, donc un peu plus mise en valeur. Et ça aurait aussi pu fonctionner, voilà, je vous ai mis l'exemple de la scène de chasse qu'on trouve au chevet d'Angoulême aujourd'hui qui a été déplacée, mais donc qui représente aussi deux figures de canidés en train d'enserrer un troisième animal. Donc, forcément, après tout cet argumentaire, on a souvent rapproché la cathédrale d'Angoulême de Saint-Amand-de-Boix. Pour en tout cas ce qui est du transept nord, on a dit que les mêmes ateliers avaient travaillé sur ces deux sites. Alors, je dis vraiment pourquoi pas. Effectivement, on a beaucoup d'arguments qui pourraient nous l'amener. Après, on a toujours des choses qui dérogent à la règle et quelques éléments qui viennent contredire cette idée. Alors, par exemple, je vous ai choisi une petite figure qu'on trouve ici. Vous le voyez là, sur... c'est l'arcade du premier niveau, l'arcade centrale, il me semble, du premier niveau du transept. Donc, où on trouve cette petite scène. Alors là, elle a été assez arasée et puis il y a eu un peu de ciment par-dessus et puis finalement on a enlevé le ciment, donc aujourd'hui c'est pas très visible, mais c'est une scène qui est peu classique et qui ne relève pas
d'une iconographie qu'on retrouve beaucoup dans l'ancien diocèse d'Angoulême. Ça va nous raccrocher à autre chose. Donc c'est une scène qu'on a appelée, disons, les oiseaux chuchoteurs. C'est un peu mystérieux. Et donc l'idée, c'est que nous avons un laïc au centre de l'image qui tend, là vous voyez, les deux bras sur le côté. Et donc sur le côté, ces deux figures, je ne sais pas si vous les reconnaissez, sont en fait des oiseaux qui sont complètement recourbés, qui sont donc adossés au laïc au centre et qui ont la tête retournée vers lui. Ici, c'est le bec de l'oiseau. S'ils ont les pattes qui sont un petit peu soulevées, on voit encore un peu le plumage qui est détaillé de part et d'autre. Voilà. Donc l'idée de cette scène, c'est que les oiseaux, qui sont souvent de symbolique christique, cherchent à prêcher la bonne parole, la parole divine, et que le laïc, qui est au centre et qui n'est pas très malin, essaie de mieux entendre la parole divine en cherchant à rapprocher les oiseaux de ses oreilles. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu en Charente, et si vous en avez vu, vous êtes les bienvenus pour me l'indiquer, mais c'est un type de scène qu'on va beaucoup retrouver dans l'ancien diocèse Saint-Ongeais, donc la Charente-Maritime. Ici, je vous ai mis deux exemples parce que la diapositive est petite, mais on aurait pu en trouver d'autant plus. Donc, au-dessus, vous avez Aulnay et en bas, Avis, donc des scènes qui sont mieux conservées. Et là, vous comprenez peut-être un peu mieux l'iconographie. Voilà, donc un cas particulier qui, du coup, nous éloigne de l'ancien diocèse d'Angoulême, de la cathédrale d'Angoulême, mais qui nous raccroche à autre chose, ce qui serait intéressant par la suite aussi. Et je voulais vous faire remarquer aussi sur cet espace que voilà, donc c'est un espace très cohérent, un ensemble donc d'une structuration complète, il n'y a pas de problème avec ça, mais on retrouve sur uniquement ici le transept nord une multitude de figures de lions, c'est-à-dire de formes de lions. Ici, elles sont toutes situées dans moins de 10 mètres carrés, mais on en a de tous les types. Alors, vous avez celle qui est ici en bas à droite avec sa gueule très carrée, vous avez celui-ci qui est très rabougri, ceux-ci qui ont plutôt le cou très allongé avec des écailles à la place du cou. Vous avez ces lions-ci qui s'adaptent aux formes des voussures et qui donc sont absolument élongés. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, je tenais à l'indiquer, parce que ça nous donne des indices sur, si ce n'est l'atelier, peut-être le nombre de mains qui ont pu participer. Parce qu'on peut avoir une thématique pour l'ensemble d'un atelier, mais on sera tous individuels dans l'exécution du geste. Et donc, on peut avoir des formes différentes comme ça qui vont être produites d'un même type de figure. Alors, avançons un petit peu dans le bâtiment. Donc, nous étions sur la face extérieure du transept nord, donc ici, et moi j'aimerais qu'on avance à l'intérieur. Et là vous voyez que le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans le même cadre bleu, donc dans la même phase d'élévation bâtie, mais que mes cadres rouges ne concordent pas. Donc on va voir autre chose en sculpture, puisque nous sommes sur des thèmes, une structuration, une organisation différente. Alors, première complication dans cet espace, c'est qu'il a été en partie effondré. Il y a une des absidioles qui s'est écroulée. On a un texte, une lettre de Juste Liche qui écrit au monument historique en 1881 pour leur dire « ça y est, c'est trop tard, c'est tombé ». Mais bon, comme vous avez pu le voir, elle a été reconstruite. Cependant, dans les rapports des monuments historiques, nous n'avons pas de détails sur est-ce que certaines sculptures ont été réemployées, si elles ont été réemployées, est-ce qu'elles ont été modifiées, ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux éléments créés pour les replacer à l'emplacement des anciennes sculptures à ce moment-là. Donc, pas d'indication, donc un travail sur la détermination des restaurations. Là, je vous ai mis quelques exemples sur lesquels j'ai peut-être des doutes, mais ce n'est pas définitif. En tout cas, il y a un élément dans cet espace qu'on peut déterminer comme une sculpture originale, en tout cas une sculpture romane. C'est le chapiteau, qu'on peut dire chapiteau au chevalier, qui, comme vous le voyez sur ma détermination des cadres des espaces tout à l'heure, quand on regarde cette sculpture, nous ne sommes pas sur la sculpture de l'extérieur du transept nord. On est sur un parti différent, une composition différente.
on a ici une corbeille à fond lisse, des figures humaines, la représentation d'une scène. Et dans la thématique, on est bien loin de la thématique biblique ou christique. On n'est pas en train de mettre en valeur de grandes figures ecclésiastiques. On est sur une scène de combat relativement brutale, puisque le personnage là, sur cette extrémité est en train de perdre la vie. Donc, c'est assez différent. On peut la détailler ensemble. Je ne sais pas si vous la voyez très bien, parce qu'ici, nous avons un homme debout, donc, qui tient dans sa main gauche ce bouclier en forme de goutte un peu inversée, qui est caractéristique des XIe et XIIe siècles. Il a sur la tête un grand casque qui lui descend jusque sur le nez, et il a cette tenue très drapée qui lui descend jusqu'aux chevilles. Ici, donc, on a ce cavalier, donc, l'homme, le cavalier qui est penché, à la fois à cause du cadre, mais aussi parce qu'il est en pleine action. Dans sa main droite, il tient la lance qu'on voit d'ici à ici, le même bouclier que l'homme d'avant dans sa main gauche, et donc la même tenue drapée qui lui descend sur les genoux, avec un cheval qui a une tête très arrondie comme ça. Et sur la dernière partie, la partie ouest du chapiteau, on a donc cet homme qui lui est différent au sens où il n'a pas le casque, il n'a pas le bouclier, il a une longue tenue drapée qui lui descend jusqu'aux chevilles, et derrière lui, il a cette grande épée qui ne lui est plus utile, puisqu'on peut voir, alors je ne sais pas si vous la voyez très bien d'ici, mais on voit la pointe de la lance qui ressort dans son dos. Donc, c'en est fini. Ce qui est intéressant ici aussi à relever en termes d'iconographie, c'est la notion d'attribut sur les figures, parce que ici on a vu que ces deux personnages-là possédaient les mêmes attributs, le casque et le bouclier. Et l'idée à ce moment-là, dans l'intention d'un sculpteur, c'est de les faire appartenir à un même groupe culturel. Ils sont ensemble, ils font partie d'un même groupe. Et la troisième personne, qui elle n'a pas les mêmes attributs, elle fait donc partie d'un autre groupe culturel, n'est pas avec eux, ils sont bien différenciés comme ça. Et c'est ce qu'on appelle voilà, la forme de représentation de l'autre, c'est-à-dire de l'étranger au Moyen-Âge. On le représente différemment de la manière dont on nous représente nous. Bon, après, ce type de scène au XIIe siècle est assez classique. On est dans une période, nécessairement pour les guerres, qui est assez importante. On peut penser à l'appel aux croisades de 1095 d'Urbain II, qui donc incite à ces départs. Donc on en trouve plusieurs, et on en trouve notamment à l'église de Champigny, au nord-est d'Angoulême, si vous connaissez, qui est très sympathique. Donc ici, on a un chapiteau continu qui est sous la croisée de la coupole, où on va retrouver ces mêmes personnages avec les mêmes attributs, le bouclier, le casque qui descend jusque sur le nez, ce cheval avec cette tête très arrondie. Ils sont aussi pliés par le cadre et par l'action, puisqu'ils sont en plein combat. Donc eux ne combattent pas un troisième protagoniste, mais des figures monstrueuses, des hybrides ailés avec des rinceaux, ou ici une hydre. Donc c'est une idée du combat contre les forces du mal qu'on retrouve assez souvent. Et finalement, ce que nous avons à Saint-Amand ici s'apparente également à un combat contre les forces du mal, avec un mal représenté d'une manière différente, pas d'une manière monstrueuse, mais à la manière de l'autre, l'étranger, celui qui ne fait pas partie de notre civilisation à nous. Donc on est dans une même thématique. Les représentations de Champigny, elles, sont assez bien datées, plutôt vers le milieu du XIIe siècle. Donc, on pourrait aussi être tenté à ce moment-là de rapprocher la figure de Saint-Amand, en haut à droite, du XIIe siècle. Ce qui s'accorderait à ce moment-là, peut-être, c'est une hypothèse, je propose surtout des hypothèses aujourd'hui, à ce qui se passe dans le chevet de Saint-Amand. Puisque là, on a cette figure donc, qui est d'une thématique tout à fait différente. On a ces lions qui sont entremêlés les uns dans les autres. Mais on a surtout ce format de corbeille qui est le même, à fond lisse. On retrouve ce haut relief, les figures qui sont arrondies et qui sont tellement lisses qu'elles sont presque polies.
et on pourrait tenter de les rapprocher ensemble. Alors attention aussi, parce que cette figure que je vous montre dans le chevet ici, c'est une figure qui est remployée au moment où on reconstruit le chevet gothique, puisqu'elle se trouve entre un cul de lampe et un départ d'ogive qui font partie de la période gothique. Et en tout cas, on pourrait former un groupe stylistique formel qui comprendrait ces deux figures-ci. Bon. Avançons un peu dans le bâtiment, allons vers la croisée, bon, qui là aussi se trouve à l'interface entre plusieurs dimensions de décors sculptés, alors qu'on est sur une même phase d'élévation bâtie. Alors pour beaucoup des sculptures observables, ici, on a moins de problèmes qui sont posés, parce qu'on a un grand groupe, un grand ensemble végétal qui est très cohérent, qui développe le même type de palmettes, épanouies sur plusieurs couronnes. On a toujours des sculptures qui vont insister sur la symétrie à la fois verticale et horizontale, une symétrie axiale. Donc on a tout un groupe qui est très cohérent. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments qui, eux, dérogent quelque peu à la règle de ce qu'on peut observer à la croisée du transept. Donc ici, ce sont les chapiteaux nord-est et sud-ouest de la croisée qui donc, relèvent d'une thématique tout à fait différente. Ils ont les mêmes figures, à chaque fois quatre oiseaux et deux figures léonines. Alors je dis léonine parce qu'on se rapproche assez peu du lion tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Ici, hein, on a une figure de lion, et ici ce sont les lions, donc qui se développent un peu sous le même schéma, puisque au milieu on a les oiseaux qui sont affrontés avec un élément végétal qui forme la symétrie axiale. Ici également, ils ont un cou très allongé, ils prennent toute la place de la hauteur de la corbeille, ils ont une queue qui remonte jusque dans la gueule léonine à l'écoinçon de la corbeille. Après, ce qui déroge, c'est que de ce côté-ci, on a un oiseau qui repart dans ce sens-là, alors que de l'autre côté, là je vous ai mis la petite face, on a le corps du lion qui se développe et l'oiseau qui est posé par-dessus et recourbé pour rentrer dans la corbeille. Donc on a aussi cette idée de superposition des éléments dans le décor qu'on n'avait pas encore vu à ce moment-là. On était dans l'entremêlement, mais on n'était pas encore sur la superposition. Donc là, on a quand même une idée générale et une culture formelle et visuelle qui est assez cohérente entre les deux structures. Donc qui pourrait correspondre là encore peut-être à un groupe, à un événement, enfin à un temps donné dans la mise en œuvre de la sculpture de l'édifice. Pour contredire ce que je viens de dire, c'est un petit peu l'idée de la recherche, on forme des hypothèses et on se contredit par la suite. La sculpture qui se trouve donc au sud-ouest de la croisée n'est pas uniquement composée d'un chapiteau comme celle qu'on avait ici au nord-est. Elle est plus large puisqu'elle se développe sur un chapiteau continu qui va d'une corbeille à une autre en passant par les ressauts de la pile. Donc c'est la seule qu'on peut observer aujourd'hui complètement entière à la croisée, mais elle aurait peut-être pu avoir une jumelle, puisque je vous invite à aller le regarder en passant dans l'abbatiale, vous le verrez mieux. Sur cette pile nord-ouest, on a tout de même un début de ciselure à cet endroit-là. On a tout un espace qui est laissé lisse, donc peut-être dans le but d'y insérer une sculpture par la suite, ou de venir tailler directement sur place. On peut formuler beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas, on a laissé à cet espace un début de sculpture, un projet qui n'est pas mené à son terme, et c'est quelque chose qui est assez rarement observable, mais en tout cas on comprend dans ce qu'on peut observer aujourd'hui qu'on avait l'ambition de réaliser quelque chose de continu comme on peut le trouver sur la pile sud-ouest. Pardon. Voilà. Donc on la retrouve ici et un peu plus loin. Sur la pile de la cinquième travée, on va retrouver cet élément continu, donc qui ici paraît d'une insertion un peu plus compliquée dans l'œuvre, peut-être remployée,
et puis elle ne s'accorde pas tellement avec ce qui l'environne. Donc ce sera une étude à mener plus tard, mais on y retrouve encore aussi cette thématique d'entremêlement, où on trouve des figures de lions, beaucoup d'hybrides. Là, vous avez une figure qui est formée à la fois d'un homme et d'un oiseau, qui à côté est formée d'une figure qui est formée d'un oiseau et d'un lion. Donc on va aussi, à ce moment-là, peut-être se rapprocher plus des thématiques de ce qu'on trouvait sur la face du transept nord. On retrouve ces idées d'entremêlement, de profusion, de densité, ce qu'on ne retrouve pas du tout pour l'instant sur ce qu'on a vu à l'intérieur de l'édifice, sur ces corbeilles à fond lisse ou sur cet ensemble végétal. Donc, peut-être une autre inspiration, une autre ambition, peut-être un autre atelier pour ce type de sculpture, et qui, à ce moment-là aussi, on a vu qu'on pouvait se rapprocher de la Saintonge tout à l'heure, c'est finalement des formes qu'on va retrouver assez facilement en Saintonge. J'ai pris un exemple tout à fait classique avec Saint-Eutrope de Saintes, mais on est dans cette idée, tout à l'heure, quand on voyait la superposition de l'oiseau et du lion, bon, ici, en superposition, il nous surpasse encore un petit peu, puisqu'on est à quatre étages ici, mais on est dans cette idée où on met les figures de manière très serrées, très contraintes les unes contre les autres, et on les superpose. Donc pourquoi pas aussi rapprocher Saint-Amand-de-Boix de la Saintonge, en tout cas sur certains points. Alors le temps passant, avançons un petit peu dans le bâtiment, puisque là on retrouve encore quelque chose de tout à fait différent. On a vraiment beaucoup de styles différents qu'on retrouve dans ce bâtiment de Saint-Amand-de-Boix. C'est assez impressionnant, c'est pas forcément beaucoup observable ailleurs. Donc là, dans l'ensemble de la nef, on a un ensemble très cohérent ici aussi, avec une multitude de corbeilles à fond lisse, complètement dépouillées, avec ces figures très en relief qu'on trouve aux écoinçons un petit peu partout. Alors elle développe des thématiques qui vont aller plutôt vers le monstrueux. Alors après, à chacun de définir son idée du monstrueux, mais celle-ci n'a pas l'air tout à fait sympathique. Mais on va aussi beaucoup rester dans un registre anthropomorphe, voire peut-être légèrement grotesque, avec ses sourires, ses gueules béantes. Bon. On en a tout un réseau comme ça qui forme une espèce de typologie d'humains plus ou moins hybridés. Donc voilà, tout ce développement. À noter aussi qu'ici on trouve très peu de symétrie. Sur les ensembles qu'on a vus précédemment, on était très concentré sur l'idée de la symétrie axiale, de la superposition des couronnes. Là, sur aucune corbeille, on va retrouver deux fois la même figure. Elles sont toujours très différentes de part et d'autre. Donc, là, on s'éloigne encore un petit peu des parties précédentes. Donc on est vraiment sur une nouvelle ambition, une nouvelle volonté dans la sculpture, nouvelle mise en œuvre, nouvelle thématique pour cette nef. Donc on a toute cette uniformité dans les formats et en même temps une grande variété dans la représentation. Alors, il y en a quelques-unes qu'on peut remarquer. Alors moi, j'admets que mon préféré restera celui-ci à titre tout à fait personnel parce qu'il a sa main qui est ici en démédiant et qui le met un petit peu en position de j'essaie de me redresser pour passer ma tête par-dessus la corbeille. Je le favoriserai, à l'instar des autres. Mais on a surtout celle-ci, qui est la seule et unique. La qualité n'est pas exceptionnelle, elle est difficilement observable. On est à l'extrême sud-ouest, collatéral sud, vraiment le mur goutreau sud de la nef. Et ici, je vous ai dit qu'on avait uniquement des figures de ce type, d'ailleurs celle qui est voilà, en parallèle, et uniquement une figure à l'écoinçon, sans sculpture de corps, mais ici on trouve cette figure qui développe un corps. Alors un corps qui reste assez naïf, quelque part très élongué, il a les bras et les jambes graciles, il esquisse à peine un geste de la main gauche puisqu'il lève la main gauche sur son visage. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée aussi de dessiner un corps, de le sculpter, mais en même temps il n'apporte aucune information. Tout à l'heure je vous ai montré les attributs qu'on pose sur les sculptures pour pouvoir définir des groupes, pour qu'on puisse, nous, en tant que laïcs, en observant les sculptures, comprendre ce qui se passe. On leur donne des attributs, des vêtements, des objets, le livre pour les évangélistes, etc. Ici, rien. Uniquement deux bras, deux jambes et un morceau de tronc entre les deux. Donc on pourrait peut-être aussi voir
comme nous sommes dans une nef, quelque chose d'assez générique, l'aspect générique du peuple des laïcs, donc qui, eux, n'ont pas d'attributs en comparaison de toutes ces grandes figures ecclésiastiques. Ce qui est aussi intéressant, et je vais faire une hypothèse peut-être un peu large, mais c'est que quand on voit toutes ces grandes figures aux Écoinçons, on pourrait proposer l'idée que ces figures aient été complétées par de la peinture. C'est-à-dire que comme on a ces corbeilles qui sont très très lisses, eh bien, ça pourrait être un espace tout à fait adapté à la mise en place de la peinture. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est très éloigné dans le temps, puisqu'on est sur de la peinture gothique. Ce sont les dernières découvertes de la cathédrale Saint-Pierre, donc où on voit le corps qui est peint et la figure, le modillon, lui, qui est en relief. Et pourquoi pas imaginer quelque chose de semblable à l'abbaye Saint-Amand. Ça peut rester un fantasme, mais ça peut être aussi une hypothèse intéressante. En tout cas, ces corbeilles à fond lisse avec les écoinçons en relief, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez récurrente dans tout l'ancien diocèse d'Angoulême. Ici, vous avez les exemples de Lichère et de Saint-Nicolas de Selfouin, où on retrouve à peu près la même chose. Alors rapidement, je vais vous montrer un petit peu la façade occidentale, puisqu'on l'a dit, contemporaine des éléments qui se trouvent dans la nef. Et finalement, on va voir que si on regarde d'un peu plus près, de la même manière, on pourrait assez facilement instaurer un hiatus, en tout cas dans le décor, entre ces deux parties. Puisqu'ici, on est sur une prise de parti complètement ornementale. Donc on va être sur des formes géométriques, quelques végétaux. Et donc là, j'ai pris l'exemple du portail nord parce que c'est l'espace qui est resté le plus authentique. C'est vrai que sur la façade, on a aussi beaucoup de restauration. Et là, on est sur une partie qu'on peut plus facilement dater. Donc, où encore une fois, on va retrouver ces figures de lions. Alors, je dis encore une fois par rapport à d'autres parties du bâtiment, mais finalement, pas par rapport à la nef où nous n'en voyons aucune. Et donc, on a ces lions de manière différente sur ce chapiteau en bas, uniquement les têtes. On a les corps qui sont développés un peu plus haut. On a ces vanneries qui sont assez caractéristiques du XIIe siècle. Donc, on a une mise en valeur de la façade par l'ornemental. Mais finalement, il serait assez difficile à dire, quand on les met en parallèle de cette manière, qu'on est sur une sculpture contemporaine au sens où elle dépendrait du même projet avec les mêmes ambitions. Pour finir un peu rapidement peut-être, et on pourra en vouloir à la SNCF, ce qui est intéressant avec Saint-Amand et cette multiplicité de formes stylistiques observables, c'est qu'elle permet de soulever de nouvelles hypothèses, enfin, pour moi particulièrement, et c'est l'idée finalement que peut-être la chronologie du second œuvre, c'est-à-dire du décor, n'est pas forcément en accord dans le temps avec la chronologie du chantier de construction. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas avoir des œuvres qui, à un moment, sont sculptées, entre guillemets, en trop, lors de venues d'artisans, qui sont conservées, mais qui ne sont pas insérées de suite dans la construction, peut-être à cause d'un hiatus dans le chantier de construction, pour une multitude de raisons possibles. Et, ou alors peut-être qu'on pourrait avoir une construction qui est élevée et les espaces réservés au décor qui seraient conservés d'une manière ou d'une autre, comblés, et le second œuvre pourrait être installé a posteriori lors de la venue d'artisans spécialisés dans la sculpture. Et c'est un peu l'idée de cette hypothèse, c'est est-ce qu'on aurait finalement vraiment deux corps de métier qui sont spécialisés, c'est-à-dire l'un dans la construction, la maçonnerie, le montage des murs, et l'autre réellement dans le décor et la sculpture, et qu'il n'ait pas de concomitance sur leurs déplacements, sur leurs interventions, sur les chantiers. Deux corps indépendants qui se déplacent indépendamment. Donc ça, ce sont toutes les nouvelles hypothèses qui peuvent être mises en place, qui seront à vérifier ou non par la suite. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous montrer toute l'importance de Saint-Amand, autant historiquement, monumentalement, artistiquement, et aussi l'ancrage qu'elle a dans le paysage charentais,
et tout ce qu'on peut en dire et tout ce qu'elle peut apprendre, elle, aux historiens de l'art avant tout. Voilà, je vous remercie.